Calme-toi, Deor. Je suis sûre que Baldor avait une bonne raison de nous quitter. Ce n'est pas normal, Fanari. J'ai un mauvais pressentiment. Baldor ne serait jamais parti sans rien dire à personne. Ainsi, les dragons sont de retour. Peu importe. Les Skaals ont déjà survécu à pire. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire comprendre ça à quelqu'un d'étranger. Essayons. Le Créateur est l'origine de toute chose. Il est la source de la vie. De lui s'écoule une grande rivière. Tous les cours d'eau rejoignent la mer et toutes les vies rejoignent le Créateur le moment venu. J'imagine combien nos coutumes doivent vous paraître étranges. Mais les 9 dieux de votre empire le sont tout autant pour nous. Hermaeus Mora. Ce vieil Herma Mora en personne. C'est donc lui la source du pouvoir de Mirak. J'aurais dû m'en douter. Nous avons de nombreuses légendes sur les ruses employées par ce démon pour essayer de voler nos secrets. Et voilà qu'il cherche une fois de plus à s'emparer de ce dont nous l'avons toujours privé. D'anciennes traditions, transmises de génération en génération par les chamans, depuis que le Créateur a fait don de Solstheim aux Skaals. Comment parler au vent? Comment écouter la terre? Voilà nos secrets. Rien à voir avec le pouvoir ou la domination. Herma Mora est le démon du savoir. C'est dans sa nature de vouloir accaparer tous les secrets de ce monde, peu importe leur valeur. Le fait que les Skaals lui aient si longtemps caché leur savoir n'a fait qu'attiser sa convoitise. Ainsi, c'est à moi qu'il incombe de révéler nos secrets à notre vieil ennemi. Je ne suis pas sûr d'avoir la force de lui faire face. Tant que la corruption de Mirak ronge les pierres, elle perturbe l'unité de la Terre et brise notre lien avec le Créateur. Ça devrait. Je l'espère, en tout cas. Et je vais réfléchir à ce que vous m'avez demandé. Je dois décider si c'est une nécessité ou une nouvelle ruse d'Herma Mora. L'équilibre de la Terre est rompu. Non. Je suis encore trop faible pour lui faire face. J'aurais besoin de toutes mes forces pour l'obliger à remplir sa part du marché. Purifier les autres pierres sacrées, que le Créateur puisse m'accorder sa force. Que l'obscurité vous épargne. Je suis sur vos talons. Passez votre chemin. Thank you.
Encore là? Ça fait un... Orbé, son arme. Ainsi, les dragons sont de retour. La pierre de l'arbre demeure corrompue. L'équilibre de la nature n'est toujours pas rétabli. Mais la restauration des 5 autres pierres suffira peut-être. Il le faut. Descal parle également du jour où nous devrons enfin révéler nos secrets. Le jour où Erma Mora l'emportera. Le devoir d'un chaman est de protéger ses secrets, mais aussi de décider du moment où il devient nécessaire de les révéler. Je pense que ce moment est venu. Si je me trompe, puissent mes ancêtres me pardonner. Donnez-moi le livre. Je le lirai et parlerai au vieil Erma Mora moi-même. Je m'assurerai qu'il tienne sa part du marché. C'est ce que j'espère aussi. Faites en sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Je compte sur vous. Père, ne faites pas ça. Ce livre est... mauvais. Maléfique. Il va à l'encontre de tout ce que vous m'avez appris. Ce doit être le beau temps des bords de ciel dont tout le monde parle. C'est le seul moyen de libérer Solstheim de l'ombre de Mirak. Le changement est une chose inévitable. Tout ce qui vit finit par changer tôt ou tard. Ne t'inquiète pas pour moi, Kyr. C'est simplement le destin que le Créateur a choisi pour moi. Je suis à vos côtés, père. Comme toujours. Je suis prêt à affronter le destin que l'infâme maître de ce livre a prévu pour moi. Enfin révéler leur secret. Père, non, arrêtez. Croyez-le ou non, je préférerais encore qu'il y ait du soleil. Je suis sur vos talons. Encore là? Pas pour vous. Pas pour vous. Je suis derrière vous. Enfant de dragon, vous m'avez apporté ce que j'avais demandé. En retour, je tiens ma promesse. Connaissez un prince d'Obi-Wan. Je vous donne le mot de puissance dont vous avez besoin pour affronter Mirak.
vous l'affronterez ou lui succéderez, selon la volonté des marées du destin. Père ! Qu'avez-vous fait ? Je crois que Storn savait ce qu'il a... Partez ! Mon père s'est sacrifié pour vous permettre d'anéantir Mirak et de chasser l'ombre de son maître de nos terres. Allez-y ! Tuez Mirak ! Vous n'avez pas le droit à l'échec. Merci. Je n'étais pas sûr de pouvoir quitter cette ferme en vie. J'aurais aimé pouvoir en dire autant pour mon compagnon. Dans la garde des Redoran, certains les surnomment « Engeance des Cendres ». Mais leur nom m'importe peu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles représentent un danger pour Corberock et qu'il faut les arrêter. Je voulais chercher des indices qui pourraient me mener à leur source. Je sais que ce n'est pas l'endroit idéal pour commencer, mais nous savons qu'elles viennent de cette direction. Excellent. Toute aide est la bienvenue. De toute manière, je préfère ne pas laisser Corberock sans surveillance. Et je ne veux pas non plus perdre davantage de Redoran. Nous étions en train de fouiller la ferme avant que les engeances des cendres nous attaquent. Allez-y, jetez un œil, vous pourriez dénicher quelque chose d'utile. Revenez me voir si vous trouvez quelque chose d'inhabituel. Avez-vous trouvé quelque chose? C'est étrange. Ce message est signé par le général Falx Carius, mais c'est impossible. Eh bien, Carius était le commandant de la garnison impériale de Formolen. Mais il a péri lorsque l'éruption du mont Écarlate a détruit la forteresse, il y a plus de 200 ans. Il ne peut pas avoir survécu aussi longtemps. Si le général Carius est toujours en vie, c'est probablement l'œuvre d'une force quelconque. Vous allez vous rendre à Formolen et examiner les lieux. En attendant, je vais retourner à Corberock pour préparer les hommes à de prochaines attaques. Faites attention, ce général Carius a l'air d'avoir perdu la tête. Voilà. Thank you.
Fort Molen ne tombera jamais. Vive l'Empire! Je suis derrière.
attention. Je crois que nous allons avoir des ennuis. Qui va là ? Vous pouvez aller où bon vous semble, mais à votre place, je ne quitterai pas le rempart. Milor prépare encore des potions de temps en temps, si ça vous intéresse. Sa ferme se trouve à la limite ouest de la ville. Quelle nouvelle apportez-vous de Formolaine ? Je me doutais qu'il était devenu mort-vivant. Sinon, comment aurait-il pu survivre pendant plus de 200 ans? C'est triste. Les exploits du général Carius sont comptés dans de nombreuses histoires. C'est même lui qui a fondé Corberock. Le conseiller Morvayne m'a demandé de vous donner ceci si vous reveniez en un seul morceau. Et si vous nous débarrassiez du général Carius. C'est beaucoup plus que la paye d'un soldat. Pensez à le remercier. Merci pour votre aide. Le moral de mes soldats... Ils servent le meilleur Sujama de tous. Formidable. Encore une bouche à nourrir. Vous êtes sur le territoire de la maison Redoran. Tâchez de ne pas l'oublier. Thank you.
J'avais bien entendu quelque chose. C'est fait. Thank you.
pour vous souvenir. Oh ha! La nuit, nous reprenons. Ce qui encore nous a été loin de vous. Nos yeux étaient aveugles. Maintenant, nous voyons à travers lui. Nos mains étaient oisives. Mes respects, Tori. Vous maîtrisez votre tomb. Montez, et je vous conduirai à Mirak. Prenez garde, Mirak est puissant. Il savait que vous viendriez ici. Peux-tu te laisser influencer si facilement? Non, pas encore. Accueillons d'abord notre hôte. Et ainsi, le premier des enfants de dragon rencontre le dernier au sommet d'Apocrypha. Comme Hermaeus Mora le souhaitait certainement. C'est un être fantasque, vous savez. Mais je vais enfin être libéré de son emprise. Mon séjour en Apocrypha est terminé. Votre pouvoir est à son paroxysme ici. Et le mien également. Vous allez mourir.
et la puissance de votre âme me permettra de retourner à Solstheim pour redevenir. Soldat, c'est l'ordre du doux.
Pensais-tu pouvoir m'échapper, miracle? Tu ne peux rien me cacher ici. Peu importe. J'ai trouvé un nouvel enfant de dragon pour me servir. Qu'elle soit récompensée pour son service, de la même manière que moi. Mirak pensait pouvoir se rebeller contre moi. Tirez la leçon de ses erreurs. Servez-moi inconditionnellement, et je continuerai de vous récompenser. You
La pierre de l'arbre est à nouveau libre. Je le sens. L'unité de notre terre a été restaurée. Est-ce que ça signifie que tout est terminé ? Mirak a été vaincu ? Alors mon père ne s'est pas sacrifié en vain. Il est mort pour nous libérer. Dites-moi, existait-il un autre moyen ? Sa mort était-elle inévitable ? Alors, c'était la volonté du Créateur, comme il l'a dit. Je sais que je n'aurais pas dû en douter, mais je suis tout de même contente de l'entendre. Merci. Une dernière chose, je vous prie. Je sais que cela ne me regarde pas, mais... puis-je vous donner un conseil, ou un avertissement ? En tant que chamane d'Escal, je suis responsable du bien-être spirituel de mon peuple. Bien que vous ne fassiez pas partie de notre peuple, vous défendez ardemment l'Escal. Aussi, j'aimerais vous donner cet avertissement. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de servir Erma Mora afin de vaincre Mirak. Mais ne vous laissez pas attirer davantage sur ce chemin obscur. Si vous êtes un enfant de dragon, c'est que le Créateur a de plus grands desseins pour vous. Ne l'oubliez pas, continuez sur la voie qu'il vous a tracée. Croyez-le ou non, je préférerais encore qu'il y ait du soleil. Je suis sur vos talons. Du
Isolde dit que vous... Je commence à m'impatienter. Nous allons tout reconstruire. La salle des banquets et nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Maintenant que nous avons regagné notre foyer, j'espère que nous saurons nous hisser à la hauteur de Tirsk. Nous sommes plus froids que la neige et plus robustes que l'acier. Nous nous enveloppons des deux pour être conscients du monde que nous affrontons. C'est du moins ce que j'espère. Nous avons tous retenu la leçon de cet événement déplaisant. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment vous protéger. Très bien. Que se passe-t-il ? Oui. Il vous faut quelque chose ? Et moi qui espérais que ça sentirait pas trop mauvais.